Le salut n'est pas donné à un groupe de personnes, ni à une race quelconque, ni à un groupe de gens, non plus à une grande église. Mais pourtant, le salut est personnel. Si le salut est personnel, alors celui qui reçoit le salut, c'est qui? C'est pas facile de parler de ce que c'est une personne. Si vous posez la question, concernant la personne ou un homme, tout le monde dit que l'homme est un animal. Et alors les gens disent encore que c'est un animal mammifère. Tout ça, c'est essayer de donner la définition de l'homme. On va essayer de parler pour que tout le monde comprenne. Chez nous, au Rwanda, quand on pose quelqu'un la question concernant ce que c'est une personne, alors on te répond que l'homme est l'homme. Mais, quand tu poses la question à une autre personne, il te répond, ah, tu sais, l'animal le plus féroce, c'est l'homme. Toutes ces réponses, alors toutes les réponses qu'on donne, ça montre que l'homme est un peu compliqué. Mais la Bible définit l'homme d'une façon spéciale. Premièrement, la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, il a été donné le pouvoir de dominer tout ce qui a été créé sur la terre. Il est composé du corps, l'esprit, et le souffle de vie. Ces trois choses qui composent l'homme.
Mais pour savoir l'homme, il y a une chose qui peut t'aider à comprendre ce que c'est l'homme. En Proverbe 20, verset 11. Alors ça dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions. Même si tu es un enfant, on ne connaît pas tes actions. Tout ce que tu fais, tes actions te montrent ce que tu es. Si ton travail est bon et important. Si ton travail ou ces actions, tes actions sont bonnes, alors tu te diriges quelque part. C'est on va à l'Apocalypse chapitre 22, verset 12. Ça dit, voici je viens bientôt avec ma rétribution et avec moi pour rendre chacun selon ses œuvres. Je viens bientôt pour donner les cadeaux à tout le monde sur ses œuvres. Cela veut dire si vous avez bien travaillé, vous allez voir la vie éternelle. Alors, si vous avez mal fait, automatiquement vous allez mourir éternellement. Ariko ibyo bikorwa umuntu akora hari uburyo babigereje muri Yakobo 2:14-17. Tous ces actions de l'homme, on en a parlé en Jacques 2:14-17. Mais c'est bien data da yivuze iki umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari ramiri makora. Alors les frères amis, on va lire en Jacques chapitre 2 verset 14. Okay. Mes frères, que serait-il à quelqu'un de dire qu'il a, il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que la foi peut-il le sauver? Si un frère ou une sœur s'ennuie, ama et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous voulait dire, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous n'aurez donné rien à manger. Ariko ndumuhe iby'umubiri we ukeneye byavura iki uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo ahubwo kuba konyine kuba gupfuye. Et qui donc pas nécessaire pour survivre. Il en est de même pour la foi. Si la foi c'est les œuvres, elle est morte elle-même. Alors mutekereze muri twebwe ari mwene data w'umugore cyangwa w'umugabo. Pensez ici entre nous il y a quelqu'un. Alors, il n'y a pas de ni la nourriture ni chose à boire. Alors si nous rencontrons lui, tu le dis que Dieu te bénisse. Est-ce que ces mots suffisent? Est-ce que ces mots vraiment étaient portés pour lui? Même si tu parles de Dieu, cela ne l'aide pas. Sachant qu'il n'y a ni boire, ni l'eau pour boire, ni la nourriture pour manger, ni la vie pour s'habiller. Et puis vous le croisez, vous dites que Dieu te bénisse, mon frère. Cette foi, en principe, Jésus a dit que la foi sans action est morte à elle-même. Donc, voilà pourquoi le monde a galéré dans le bicorgo à Kora. Un homme ou la personne est identifié par ses actions qu'il fait. Donc, voilà pourquoi le monde a galéré dans le monde dans cette bicorgo Kora. Cela veut dire que si tu es une personne sans action, même vivre pour toi, ça n'a pas d'importance. Si la personne est identifiée par ses actions, alors le salut c'est quoi?
Agakiza ni impano umuntu ahabwa n'Imana. La foi c'est le don qui est donné par Dieu. Umuntu ashobora kugira ibikorwa byiza. Quelqu'un peut avoir de bonnes œuvres. Cyangwa bibi. Ou bien mauvaises œuvres. Umuntu ashobora kubigira ku giti cye ari ibikorwa bye. Alors chacun de nous peut avoir ça personnellement. Ariko agakiza ni impano umuntu ahabwa n'Imana. Mais le salut est spécial, il est donné par Dieu. Yavuze ko ikintu ni impano ni ikintu uherewe ubuntu ndacyo gitanzeho utanakigombaga ariko agihabwa. Quand on parle de choses qui c'est un cadeau, ça veut dire que vous avez été donné, la chute a été donnée pour toi gratuitement. Mu Efeso kabiri umurongo wa 8 kugeza 9. En Ephésiens 2, versets 8 et 9. Haratubwira ngo mwakishijwe n'ubuntu bwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ça dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Par le moyen de la foi. Ndibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Reba yagakiza karamutse kavuga amafaranga bakene bagombye kujya mu ijuru bonye. Si on pouvait acheter la foi, seulement les riches pouvaient aller au ciel. Abakene ntitwabasha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru kuko nta mafaranga twabonye yo gutanga. Alors les pauvres ne pourraient pas aller au ciel parce qu'ils n'auront pas assez d'argent pour payer. Ariko Imana ishimwe agakiza kaduhaye ingimbano. Alors Dieu soit loué, le salaire a été donné gratuitement. Hagatagira umuntu wo muri twebwe wirarira ko agakiza agahawe kubw'imbaraga ze. Afin que personne ne se glorifie parce qu'il a il a la foi par lui-même. Il y a trois étapes qu'il faut avoir pour avoir le salut. Les trois pas à faire pour avoir le salut. Il y avait un homme. Il avait les chèvres chez lui. Vous savez tous les chèvres. Même les petits enfants savent ce que c'est une chèvre. Le monsieur était un éleveur en même temps cultivateur. Il y avait les chèvres dans l'enclos. Alors en face de sa maison, il a planté le maïs. Quand il lâchait les chèvres allaient directement porter le maïs. Vous savez que quand les chèvres passent, ils mangent tout. Finalement, il s'est dit non, ces chèvres-là vont finir mon champ. Alors, je vais souffrir quelque chose. Alors, il a tressé quelque chose. Alors, il a fabriqué la miselière pour chaque chèvre. Alors, chaque chèvre a sa miselière. Alors, il a bouché les bouches des chèvres. Et puis, il a relâché les chèvres. Quand ils sont partis, ils ont entré dans le champ de maïs. D'arriver à manger le maïs, ce n'était pas possible. Ils ont essayé de manger, mais ce n'était pas possible. La question est-ce que les chefs, le fait de ne pas avoir mangé le maïs, est-ce que c'est parce qu'ils étaient sauvés? C'est la question, est-ce qu'ils étaient sauvés? Mais ils étaient sauvés? Les chrétiens aussi, quand ils ne sont pas capables de faire les péchés, ils disent qu'ils ont été sauvés. Alors que dans le cœur, ça les dit de faire les péchés. Alors quand vous croisez quelqu'un, il dit Jésus soit loué, Jésus soit loué. Alors que dans son cœur, c'est le contraire. Frères et sœurs, je vous conseille de faire ces trois pas. Le premier pas, c'est avoir la foi. Kwizera ni ishingiro ry'intambwe ya mbere. La foi, c'est le premier pas qui te permet d'avoir le salut. Kwizera ni intambwe ya mbere umukristo atera kugira ngo yakire agakiza k'Imana.
Le salut, c'est le premier pas vers le salut. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Combat le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle. À laquelle toi as été appelé et pour laquelle toi as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous devons combattre le bon combat de foi. Après la foi, alors nous l'affirmons devant tout le monde, devant les témoins. Après la foi, le deuxième pas, c'est la confession. La confession, c'est comme le mea culpa. Qui accepte les faiblesses personnelles pour le bon. Quand tu n'as pas fait ton mea culpa, tu acceptes ce que tu as fait. Alors à ce moment-là, tu n'es pas capable de t'aider, alors il faut quelqu'un pour t'aider. Après ces deux pas de la foi et puis la confession, il y aura encore le troisième pas à faire. Le troisième pas, c'est accepter la confession ou bien faire ton mea culpa et rendre ce que tu as volé. Alors, la confession, on le fait par la langue, par la bouche. Alors, tu affirmes devant tout le monde que ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus. Alors, automatiquement, tu reçois le Saint-Esprit. À Romains 10, versets 9 et 10. Ça dit, si tu confesses dans la bouche du Seigneur Jésus et que tu crois dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand tu dis que Jésus est le Seigneur, et tu acceptes que Jésus est ressuscité à cause de toi, automatiquement tu seras sauvé. Alors, quelqu'un se sent confessé ou bien à la fois dans son cœur, mais il doit témoigner ça par sa bouche, il doit témoigner ça par parler à tout le monde. La foi reste dans le cœur. La foi, on a vu que c'est le premier pas à faire. Après son pas de foi, le deuxième pas, c'est la confession. Et puis après la confession, alors le dernier pas sera dans ce que tu as volé. Croire ou la foi, c'est dans le cœur. Mais la confession doit être dite ouvertement par la bouche. Il y a une histoire de des publicains qui parlent de la confession. On trouve ça à Luc chapitre 19, Luc chapitre 19, verset 1 à 9. D'accord. Ahanyura nuko hariho umuntu witwaga Zakayo
yarumukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Alors ça dit, Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir ce qu'il était Jésus. Dans son premier verset, ça nous parle de Zachée, comment était Zachée. D'abord, il était publicain ou quelqu'un qui reçoit les impôts. Et puis il était aussi très riche. En bref, il était un homme riche. Il avait un bon travail et il avait beaucoup de richesses. Alors, ici, voici cet homme riche, Zachée, qui voulait avoir Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. On a vu qu'il avait beaucoup de choses, il était riche. Il était aussi le publicain ou celui qui reçoit les impôts. Mais il était vraiment d'une petite taille. Alors, il y avait trois choses. Il était riche. Il était très riche. Il était aussi le publicain. Il était aussi petit taille. Au quatrième verset, il y courut en avant et monta sur un sycamore. Alors, il courut en avant et monta sur le sycomore pour le voir, parce que Jésus allait passer là-bas. Alors, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi ngwiriye kurara iwawe. Zachée a trois droits de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Imaginez-vous, quelqu'un est riche. Et tout le monde le connaît parce qu'il va partout. Dans tous les magasins, tout le monde le connaît. Dans les autobus, dans les métros, tout le monde le connaît parce qu'il va partout. Les gens qui conduisent les véhicules le connaissent. Vous le connaissez, tout le monde disait, ah, le petit homme là arrive. Alors finalement, comme il était de petite taille là, il n'était pas capable de voir Jésus. Mais à cause de sa foi, il a oublié qu'il était très riche. Il a oublié qu'il était publicain. Il a oublié aussi sa petitesse. Et puis il a monté le sycamore. Je ne sais pas si vous savez le sycamore, c'est quoi. C'est un grand arbre. Normalement, il n'y a pas de branches en bas. Les branches commencent un peu en haut. Il est d'abord de petite taille, il n'a pas de long, de long bras. Alors vous voyez, vous, cette petite taille, la personne qui veut monter une arbre alors qu'elle était petite. Comparez ça avec sa foi qu'il avait. Sa foi lui a fait oublier de son honneur. Sa foi lui a fait oublier déjà qui allait le voir, le regarder à montagne. C'est sa foi qui l'a empêché de penser même à la grandeur de l'arbre. À cause de sa foi, il a monté là-bas. Est-ce que toi aussi, ta foi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie?
ahora duhora muri Yesu ashimwe gusa si disoma Yesu alwe Yesu alwe sariye fer kandi mutima wawe birimo birabyigana alors que dans ton cœur il y a beaucoup de problèmes nade kintu nakimo wigeze usigarwa wegere Yesu alors que tu n'as pas fait aucun effort pour t'approcher de Jésus yitondo Yesu akubwira ngo rebera kuri za kayibyo yakoze so mate Jésus te dit fais ce que Zachée a fait. Laisse ton honneur. Laisse ton travail que tu fais. Laisse toi-même. Alors tu montes jusqu'à moi pour aller voir Jésus. Jésus il est passé. Alors il a regardé. On arrive au verset 6. Donc il a Jésus. Eu cabira Zacaia, eu sabira Zacaia, eu provoca tanta tu. O verset 6, Jesus. Eu nunca vou a Amnatia Nezereue, abando você, vai boye, para divo, vou ter abati, dore, aguie, gutrubica, comunhadia. Zaché, Jesus a dia a Zaché, ele a di, Zaché, ele a di, verset 7, já 6. Zachée se hâta de descendre et le reçoit avec joie. Voyant cela, tout le monde murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Quand Jésus est arrivé là-bas, il a regardé en haut. Peut-être il s'appelait que les gens qui étaient avec lui, Jésus ne pas vu Jésus. Zachée. Mais Jésus qui sait tout, il a vu. Il a vu, descend parce que vous devez loger chez toi. Alors, tout le monde qui était là, il n'a donné aucun autre commentaire que de dire, voilà Jésus qui va loger chez un pécheur. Il paraît que Zachée vraiment les avait compliqué la vie. Mais Jésus, quand il est arrivé chez Zachée, alors les gens qui le voyaient ne savaient pas quand Jésus était arrivé dans le cœur de Zachée. Donc les gens commençaient à penser que Zachée était lancé, Zachée. Qui connaissait qu'il était pécheur. Alors, quand Jésus l'a dit, descends, Zachée aujourd'hui, je vais loger chez toi. Alors, tout le monde a commencé à murmurer. Ah, vous savez que Jésus, c'était un homme de foi. Voilà, il va loger chez un pécheur. Alors, les gens nous sommes comme ça. La foi, nous parlons de la foi, les choses qui sont voies. Alors nous comparons la foi, c'est de la personne à nous basant ce que nous voyons. Mais la foi, c'est le don de Dieu et sa vie. N'importe quand. Toutes les fois que tu reprends la vie de Jésus, la foi vient dans ton cœur. Au verset 7. Voyant cela, tout le monde est éliminé en disant, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, sortant devant, et dit au Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de ma richesse. Je donne ça aux pauvres. Alors, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà comment avoir la foi, c'est très spécial, c'est très bon. Après avoir reçu Jésus dans son cœur, alors Zachée a dit à son Dieu, la moitié de ma richesse, je vais donner ça aux pauvres. Mais aussi la personne à qui j'ai eu tort, je vais lui donner 4 fois. Zachée a fait son premier pas, il est monté l'arbre.
arangije aratura abantu bose baramureba après il s'est confessé devant tout le monde alors il a vu un troisième pas de rendre ce qu'il avait volé imaginez vous il allait aller à chaque chacune des personnes à qui il avait fait tort il a dit je vous donne tout ce que j'ai volé et je vous donne extra pour comparer le tort que j'ai fait. Mais c'est déjà pris un autre regard que vous n'avez jamais. Alors après avoir fait après avoir confessé. Tu vas voir votre visage et ce que ça. Disant que nous avons la foi en Jésus-Christ. Tu vas voir mon visage chimé mané himba azoué. Nous parlons que Jésus soit loué. Tu vas voir qui a mandu tanya kiza kumbuundo. Alors nous avons accueilli la foi. La grâce gratuitement. Des fois, nous faisons semblant de confesser les péchés. Des fois, même faire le mea culpa nous semble un peu difficile. Alors, le pas de rendre ce que tu as volé, c'est un grand pas. C'est ça où est très difficile pour chaque chrétien. On commence à dire si jamais je vais rendre ce que j'ai volé, alors je vais rester pauvre. Alors si nous ne pouvons pas avancer et décider de rendre ce qu'on a volé, alors notre foi n'est pas assez. Au verset 9, Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous voulez vous recevoir la grâce de Dieu aujourd'hui? Et je suis entré dans ta vie aujourd'hui. Ce qui a amené Jésus, c'est de chercher ce qui était perdu. Ce qui a amené Jésus, c'est d'aller chercher le pécheur comme toi et moi. Après avoir changé, tu deviens une bonne personne. Alors tu as la foi en Jésus-Christ comme sauveur personnel. Alors tu viens de confesser les péchés. Alors tu as fait ton meilleur coup et tu as rendu ce que tu as volé. Jésus travaille en toi. Alors tu deviens un sacrifice vivant. Alors tu viens de le. Tu n'es la deuxième fois. Ceux qui te voient, ils voient que toi et que Jésus dans ton cœur. Alors là-bas, tu vas arriver au pas d'être justifié par ta foi. Et Jean chapitre 5, là où ce qu'on nous a dit ce matin, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Que Dieu nous aide à nous confesser et nous recevons la grâce de Dieu et que nous puissions confesser nos péchés comme il faut et déclarer tout ce que nous avons fait, déclarer et ce que nous avons volé. Et Dieu rentre chez nous dans nos maisons, c'est ce que je prie pour vous aujourd'hui.